La distance de la Terre au Soleil est de 150 millions de kilomètres. Calcule la masse du Soleil. Voici la situation. Nous savons que la distance entre la Terre et le Soleil vaut 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire 1,5 fois 10 exposant 11 mètres. Nous cherchons la masse du Soleil que nous exprimons en kilogrammes. Nous partons de l'idée que la force centripète est égale à la force de gravitation et nous allons appliquer ces deux formules. Puisque FCP est égal à FGR, ce produit-là doit être égal à celui-là, comme ceci. Cette équation peut être simplifiée par la masse de la Terre. Nous savons aussi que la vitesse angulaire, oméga, est égale à 2π divisé par la période. Donc là, nous pouvons remplacer le oméga par 2π sur grand T. Ainsi, nous obtenons cette équation-là qui mène vite vers la masse de la Terre est égale à 4π carré fois R au cube divisé par G fois T au carré. Et là-dedans, nous remplaçons le R par 1,5 fois 10 exposant 11, le grand G par 6,67 fois 10 exposant moins 11, et le grand T par 365,25 jours fois 24 heures fois 3600 secondes. Ainsi, nous obtenons ce calcul qui mène vite vers 2 fois 10 exposant 30. Et par conséquent, la masse du Soleil vaut à peu près 2 fois 10 exposant 30 kilogrammes. L'exercice est terminé. Mais si nous calculons le rapport masse du Soleil divisé par masse de la Terre, nous obtenons à peu près 335 000, ce qui signifie que la masse du Soleil est égale à peu près à 335 000 fois la masse de la Terre.